Donc, je te confie la gestion de la maison. Ah, je suis là. Moi, je pars. Ok. Allez, viens, on va. Maman, même quand tu es là, tu passes seulement ton temps sur le téléphone. Dans les familles, ils sont des réalités qui sont souvent cachées, qui sont tues. Personne n'en parle. Personne ne veut parler. Ce sont des sujets tabous. Et lorsque la catastrophe arrive dans les familles, personne n'est là pour écouter ceux qui sont des victimes de cette catastrophe-là. Chers parents, il est important de mettre dans nos différentes familles, dans nos différentes maisons, une atmosphère d'écoute et de partage qui permette à vos enfants de s'exprimer. Vous ne savez jamais ce par quoi ils passent dans vos propres maisons. Je prie que cet opus aide plus d'une famille et que les parents puissent avoir le courage de mettre fin à un certain nombre de choses, à certaines confiances qui sont parfois exagérées. Bon visionnage de l'émission de ce soir et à la prochaine. Qu'un sourire chaleureux pour se développer et devenir une paix secrète qui ouvre bien les cœurs. Un enfant de ton cœur, un germe de ton vrai naissance. N'attend qu'un sourire chaleureux pour se développer. Ah, Bastien. Ah, Mambo. Ok. Nous sommes en train de sortir, on va répondre à une invitation là. Ah, c'est le week-end, c'est normal. Oui, on va répondre à une invitation des amis là. Donc, je te confie la gestion de la maison. Ah, je suis là, moi je pars où? Ok, allez, viens, on va, non? Mon bébé, où sortez? Chaque jour vous sortez, c'est samedi et moi alors. Tu sais, les enfants ne peuvent pas aller où on est en train de partir. Donc, on va programmer une sortie avec toi, d'accord? Quand? Tu es une grande fille. Tu programmes, j'ai envie de programmer, ça m'aime jamais. Bah, écoute, tu es une grande fille. Hein? Tu es une grande fille maintenant. Tu peux prendre soin de toi, prendre soin de la maison. Il n'y a plus que tu as ton oncle. Mais non, on va la faire sortir quand même. Oui, tu prends soin de la maison de ton oncle, ok? D'accord. Tu sais que je t'aime, non? Oui, ma bye. Bye bye. Prenez soin de vous. Aujourd'hui. Attends, attends, pas aujourd'hui. Maman, papa, oui mon cœur. Pourquoi je voudrais partir où je t'attends, ma fille? Pour faire quoi? Quoi? Pour changer un peu d'air et changer d'environnement. Attends, t'attends, ma fille a déjà trop de charges. Tu veux aller faire quoi là-bas? Non, et en plus, tu veux me laisser avec qui ici? Hormis les affaires de charges, on dirait que tu es à la recherche d'une certaine liberté.
Mais maman, tu n'es pas constamment là. Si j'ai un problème, je vais exprimer à qui? Je me sens seule. Ton tonton est là. Et en plus, si tu as besoin de parler, je sais que je suis là. T'inquiète pas, tu n'es pas seule. Tonton est constamment à la maison avec toi, non? Maman, même quand tu es là, tu passes seulement ton temps sur le téléphone. Non, écoute. Hein? C'est vrai qu'on a peut-être fauté à ce niveau, mais je pense qu'on donne le maximum pour que tu sois à l'aise, non? On donne le maximum. Il y a une nounou qui fait pratiquement tout à la maison. Il y a ton oncle qui est là, H24. Et puis, tu sais, pourquoi vouloir aller nous laisser partir? Non, non, mon bébé, oublie cette histoire de partir. Hein? Non. Oublie ça, s'il te plaît. Non, laisse tomber cette affaire, ok? Même s'il faut multiplier le temps qu'on doit passer à la maison avec toi, désormais, on va le faire. Tu oublies cette affaire de partir, d'accord? D'accord? Bah écoute, ma fille, s'il te plaît. Donne-moi un verre d'eau, ok? J'ai pas envoyé ça à maman chercher de l'eau là. Si, ça fait un moment déjà. Va voir ce qu'elle fait là, si tu peux, vas-y, vas-y. Va voir ce qu'elle fait là. Sandra! Sandra! Adieu mes chers parents, je suis fatigué de cette souffrance, fatigué d'être violé encore et encore par celui que vous appelez. Oh monsieur! Oh monsieur! Mais, chérie, qu'est-ce qui se passe? Alléluia! Aujourd'hui nous avons un message de vie, un message d'espoir, un message d'amitié pour vous. Avec le pasteur John, ce message, cette musique, ces voix. Juste un mot à vous dire. Écoute ça. Un sourire est encore ce qui sait, je le mieux l'ai là. Accroche un sourire à ton visage, ça lui donne du charme. Tout au fond de ton cœur. Un germe de tendresse n'attend qu'un sourire chaleureux pour se développer et devenir une paix.